Marie-Josée Lucioli, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, merci de nous accueillir chez vous à Saint-Jérôme. Mais ça me fait plaisir. Pour parler de ce livre, On n'oublie jamais rien, qui nous raconte votre histoire, en commençant par l'enfance, et qui nous plonge tranquillement dans toute la cruauté et les atrocités de ce génocide, non pas rwandais, vous le spécifiez, mais le génocide contre les Tutsis. C'est exact, oui. C'est important, cette distinction? Oui, c'est important. C'est comme une reconnaissance. Reconnaître que c'était un génocide qui était perpétré contre les Tutsis. Donc, c'est pas tous les Rwandais qui étaient visés par le génocide. C'était ça aussi important de l'écrire? C'est surtout pour mes enfants que je l'ai écrit, pour les générations à venir, et puis surtout pour les victimes, leur donner un visage. Au début du livre, ça commence par votre enfance, donc une enfance dans une petite communauté, tout le monde se connaît, oui. Et où c'est très important, chez vous, dans la famille, d'aller à l'école. Mes deux parents étaient enseignants d'école, à l'école primaire. Donc, vous comprenez que c'était très important la scolarisation parce que la plupart du temps, chez des familles moins nanties, c'est les filles qui étaient privées de ça, même à l'école primaire. Tandis que dans mon cas, je n'ai jamais vu de différence entre mes frères et moi. Donc, ma mère tenait beaucoup, beaucoup à mon père aussi. Donc, j'avais un modèle à imiter, ma mère, donc j'ai une femme qui partait travailler puis qui avait un salaire. Ce qui était assez rare aussi dans cette petite communauté. C'était rare. Il n'y avait pas beaucoup de femmes de son âge qui travaillaient. Puis on voyait les retombées dans la famille, retombées économiques. Vous n'aviez pas vraiment conscience de ce racisme? Il y avait des signes, comme quand j'avais 7 ans, quand on nous faisait lever en classe. On était tout petits là, les Hutus là. C'était le début, mais nous, on ne comprenait pas. Mais les parents comprenaient ce que ça voulait dire. Moi, à 7 ans, justement, il y a eu un coup d'État. C'est le président, un président du Sud, issu du Sud, qui était Hutu, a été limogé par un coup d'État par un militaire du Nord, les Hutus aussi. Et là, les Tutsis ont été persécutés. Il y en a qui ont été tués. Puis nous, on s'est enfuis au précipitaire. On est resté quelques semaines. Et on attendait des sifflets. On voyait des maisons des Tutsis brûler. On a brûlé beaucoup de maisons de Tutsis. On a abattu les vaches des Tutsis. On a pris nos biens. C'est bizarre parce que quand c'était fini, quand la crise était finie, ça revenait comme avant, en tout cas, pour moi. Comme si de rien n'était. Comme si de rien n'était, les gens reconstruisaient. Et ça s'est échelonné sur plusieurs années, en fait. Sur plusieurs années, mais dans mon cas, c'était la discrimination qui était visible. Quand j'ai terminé le sixième primaire, j'ai pas eu accès au secondaire parce qu'il fallait passer un concours et puis comme les places étaient limitées, il y avait des quotas ethniques. Donc là, je commençais à comprendre. Et ça s'est continué jusqu'en 94. Le 7 avril que ça a commencé, là on était en vacances de Pâques. Moi j'étais à Kigali dans la capitale, j'avais quitté ma maison le matin. Il y en a qui ont pu se pousser par la Tanzanie vers l'est, et puis le Burundi vers le sud, le Congo vers l'ouest. Très très peu parce que le pays était comme encerclé par la milice qui a été entraînée par les militaires. Les barrages partout. Puis les gens étaient pris de court. Prisonniers chez eux. Prisonniers chez eux. Justement, le 7 avril, le matin, la radio diffusait de rester chez soi. Donc, les ennemis du pays venaient d'abattre le président. Donc, on savait ce que ça voulait dire. Les ennemis du pays, c'était les Tutsis. Les cafards, les ennemis. Donc, les Tutsis n'ont jamais été considérés comme des Rwandais. Et vous avez quand même réussi à
vous cacher quelque part et à survivre difficilement, mais... C'est un miracle, en fait. Je sais pas comment ça s'est... Je me suis cachée avec d'autres tutsis, mais j'attendais la mort tous les jours. Une chose qui m'a beaucoup touchée dans le livre, cette résilience et cet amour de la vie. J'avais un choix à faire, me laisser mourir ou faire du bien, être le contraire de ce qu'ils ont fait. Vous entendrez parler de moi, je me disais ça. D'où le titre de votre livre? Oui, on n'oublie jamais rien. On vit avec. Est-ce qu'on pardonne? Pour moi, le pardon, ça renvoie justement à cette rage de vivre. Et d'ailleurs, un jour, vous avez eu une très bonne nouvelle. On vous a dit que vous étiez accepté dans un programme d'études. Pour moi, c'était un rêve qui se réalisait. Mais très mérité, en fait, parce que vous y aviez tellement travaillé. Oui, vraiment, c'est comme la récompense que la vie m'a donnée d'avoir persévéré, d'avoir choisi... La voie la plus difficile. Avec beaucoup de générosité que vous le faites, maintenant vous enseignez pour la paix auprès des jeunes. Je donne des conférences, je donne des ateliers. Je parle de mon parcours, de ma vie en fait. J'ai foncé, j'ai réussi, j'ai pas d'animosité, j'ai pas de haine avec qui que ce soit. D'ailleurs, vous me disiez que vous êtes retournée. Ah, je retourne souvent. Et maintenant, votre constat aujourd'hui? C'était un constat très très positif. Surtout, ça me réconcilie avec l'espèce humaine, avec le Rwanda. Alors, quand je vais au Rwanda, je remarque combien le pays progresse. Ben, c'est un message magnifique que vous nous adressez. Et merci de cette entrevue, Marie-Josée. Oh, ça me fait vraiment plaisir. Et puis, merci beaucoup de l'intérêt que vous portez à ce sujet, à moi, à la population rwandaise aussi. Pour notre segment Club de lecture, nous accueillerons deux collaborateurs, Marie Poupard et Paul Connolly. Marie est journaliste pour le Journal de Montréal et différents magazines. Paul est agent immobilier. Tous deux Québécois, ils vivent en Floride. Lors du premier épisode, nous avons rencontré Paul à la Foire du livre de Miami. Hey, salut Paul! Bonjour. Ça va bien? Oui. Première visite au Miami, pour faire? Oui, malgré que j'habite ici depuis une vingtaine d'années, c'est la première fois que je viens. Incroyable, hein? C'est un gros happening. Dis-moi, qu'est-ce que tu lis d'habitude? Moi, j'aime bien les biographies, en fait. Je trouve qu'il y a tellement de gens incroyables qui ont fait des choses incroyables que j'aime bien les biographies genre à la Gallo. Donc, j'aime bien... j'ai lu dernièrement les quatre tomes de Napoléon, des trucs comme wow, ça. Donc, quand c'est même, des... c'est... Oh, ouais. Non, c'est des... J'ai assez conséquent. Du matériel, oui. Ça t'arrive d'en lire, des romans québécois? Écoute, moi, ça fait déjà 22 ans que j'habite plus au Québec. Donc, souvent, c'est un peu difficile de me procurer les livres en français. Bon, je les commande sur Internet. Et puis bon, dernièrement, j'ai lu 12 ans en France. De Mélika Abdelmoumen. Ben oui. Et comment t'as trouvé ça? Ben, écoute, premièrement, je dois parler un peu de pourquoi j'ai choisi ce livre-là. Oui. C'est parce que j'aime bien choisir des livres qui sont qui me touchent d'une façon ou d'une autre. D'accord. Moi, je suis né en France. Ma mère est française et donc j'ai un attachement avec la France, même si j'ai jamais vraiment habité là-bas. Moi, je m'attendais à un côté romantique de son voyage en France, de son séjour en France. Puis c'est un sujet qui est très difficile. C'est la non-intégration des Gitans. C'est cette population qui est un peu vraiment qui vit à la marge de la société, qui est sans arrêt en train de se faire évincer. C'est la misère la plus totale, c'est l'oubli de la population, puis c'est vraiment ce qui lui est arrivé à elle, c'est son expérience. Oui, étonnamment, elle qui est au Québec, née d'une mère québécoise et d'un père qui est tunisien. Et alors que au Québec, elle se sentait chez elle, elle arrive en France, puis elle se sent comme une arabe, donc ostracisée. C'est ça. Et donc, je pense que cette exclusion qu'elle trouvait, elle a réussi à trouver un lien avec ces gitans qui sont pas non plus intégrés dans la société. Qui partagent un peu son sentiment. Ceci dit, j'ai trouvé le livre super bien écrit. Alors, elle maîtrise vraiment la langue. Ça coule assez bien. Le choix des mots, c'est des mots qui sont justes. Et puis,
Moi, en tant que Français qui de l'étranger, j'ai cette... cette vision, ce rêve de la mère patrie qui a la gastronomie, qui maîtrise tous les arts. Si tu veux, dans ma tête, à moi, j'ai que les côtés positifs, les côtés qui sont agréables de la France, OK? Puis comme j'y invite pas, j'ai pas à dealer avec la bureaucratie, avec les trucs dont on se plaint généralement. Puis cette fois-ci, je trouvais que c'était un peu... ce côté raciste, j'ai trouvé un peu choquant. Mais bon, c'est un peu... On fait l'expérience ici aussi de la résurgence du racisme. On le vit un peu partout en ce moment, cette merci situation. Merci, Paul, de tes commentaires. C'est très éclairant. Il n'y a pas de quoi. Christelle Armand-Kanski, bonjour. Bonjour, José. C'est un plaisir de vous rencontrer ici au Miami Book Fair pour nous parler de votre collection. En fait, dites-moi, c'est qui la petite Petra? La petite Petra est une caricature de ma fille. Ma fille, Daniela, mon fils, c'est Pietro. Donc, j'ai joué un petit peu sur les noms et on a fini avec Petra et Dani, qui sont les deux caractères principaux. Et qu'est-ce qui lui arrive à Petra? Donc, Petra, plus que des petites histoires, c'est un concept. Et lorsque mes enfants apprenaient à lire, je voulais leur acheter des livres de niveau 1 en français, parce que nous sommes francophones. Bien, je suis haïtienne, mais nous sommes francophones. Je voulais des livres qui soient accessibles à des lecteurs débutants. J'ai été à la librairie, en librairie, j'ai dit, est-ce que vous pouvez me donner des livres pour un élève débutant, un lecteur débutant? On m'a offert des livres, mais qui étaient... pas ce que je recherchais, parce que c'était des livres d'apprentissage, mais pas de lecture. Et donc, je me suis dit, si la catégorie n'existe pas, il faudra l'inventer. Et c'est comme ça que j'ai écrit le premier livre. Il apprend aussi des langues étrangères. Absolument. Chez moi, nous encourageons l'éducation bilingue de nos enfants. Et comme, encore une fois, c'était un projet de famille, je me suis dit, il y a d'autres enfants aussi qui aimeraient vraiment... approfondir l'anglais en même temps que le français. Vous touchez à combien de langues? Pour l'instant, je touche à 3 langues, le français, l'anglais et le créole. Pour les livres qui sont en rapport avec Haïti, j'ai comme une sous-série que j'appelle la série découverte d'Haïti. Si on prend par exemple celui-là, comment vous apprenez aux enfants à lire, à reconnaître les mots? J'ai trouvé ça très intéressant, la façon dont c'est écrit. Absolument. Et justement, en essayant d'aider mes propres enfants, en essayant de les accompagner dans la lecture, je me suis dit que je devais identifier où il y avait des problèmes. Le premier problème que j'avais identifié, c'était les sons complexes. Les sons complexes, c'est quoi? C'est un son qui est composé de plusieurs lettres. Et là où ils vont hésiter, c'est lorsqu'on a les sons complexes, des sons à 2 lettres. CH, il doit se rappeler que c'est CH. Déjà, il faut que l'enfant sache qu'il faut lire les lettres ensemble. Oui, d'accord. Parce qu'il ne va pas identifier tout de suite en voyant le mot que les 2 lettres doivent être lues ensemble. Donc, je me suis dit, si je les mets dans la même couleur, une couleur différente comme le rouge, il sait que les lettres doivent être lues ensemble. D'accord. Ensuite, je me suis dit que je devrais avoir des petites images qui permettraient à l'élève de reconnaître le son par association. Ensuite, la particularité de la lecture en français, c'est qu'il y a beaucoup de lettres muettes. Donc là, ces lettres sont en gris. La dernière chose que je me suis dit que je pourrais faire pour les aider, c'est que le concept existe dans la lecture en anglais, les sight words. Sight words, ce sont des mots-outils qui reviennent tout le temps, que l'enfant doit connaître. J'aimerais raconter cette petite histoire vraie. Oui. Lorsque j'écrivais le livre, ma fille ne savait pas lire. Donc, critique constructive, elle me donnait du feedback sur les images. Je n'aime pas ce maillot que Petra porte. Je n'aime pas comme les cheveux. Donc, tout ce qu'elle veut, on change. Et ce qu'elle me dit, donc, elle n'arrivait pas à lire le livre, des morceaux de phrases, elle n'arrivait pas. Quand j'ai reçu l'échantillon, ma fille a pris le livre.
elle l'a lu du début à la fin et puis elle me regarde comme ça, elle me dit « Maman, je sais lire ». Et là, j'étais en larmes parce qu'elle ne savait pas encore lire, mais avoir la satisfaction qu'elle ait pu lire un livre du début à la fin, son attitude par rapport à l'apprentissage a changé. Donc, un outil ludique, amusant et très instructif avec de magnifiques illustrations. On va suivre ça et peut-être les offrir en cadeau, pourquoi pas? Absolument. Merci encore. Merci, José. Tassia Trépiatiste-Esguel, bonjour. Bonjour. Comment est venue cette idée qui semble en faire un journal personnel? Est-ce que le but, en début d'écriture, c'était d'en faire un livre? Bien, en fait, moi, j'étais allée à Istanbul, où j'ai habité 3 ans. Je suis allée pour écrire mon 3e roman. En même temps, je prenais des petites notes aussi plus intimes, plus personnelles, type journal. J'avais comme deux carnets toujours dans mes poches. Je me suis rendue compte qu'en fait, c'était vraiment un autre livre là, en parallèle. Donc, celui-là est sorti avant mon projet initial. Il est question, évidemment, de l'intégration et du défi de rencontrer l'autre. Moi, je suis une enfant d'immigrant. Mon père est venu de la Grèce dans les années 70, venu d'Athènes. Donc, j'ai toujours grandi avec ces histoires, justement, d'intégration-là, d'immigration. Et puis... Je sentais que je l'avais vécu en quelque sorte, parce que quand on est deuxième génération d'immigrants, ça fait quand même partie de notre histoire. Mais je voulais quand même le vivre pour vrai. Je voulais, avant d'avoir des enfants, je tenais à aller vivre à l'étranger comme pour comprendre vraiment dans mon corps, dans ma vie, les histoires de mon père. Parce que vous mentionnez à un moment donné que la crainte de l'autre, c'est la crainte de l'inconnu, qu'il soit d'un pays différent ou du village d'à côté. Oui, parce que ici, nos immigrants au Canada ou au Québec ou en Ontario, où on est aujourd'hui, c'est des gens qui viennent de d'autres pays, les immigrants. Quand on parle de l'immigration, bon... Mais en Turquie, quand on parle des migrants, là, dans ce cas-là, c'est pas des immigrants, mais des migrants, c'est des personnes des autres villages, des autres régions. La Turquie, c'est quand même un très grand pays. Il y a plusieurs dialectes même qui sont parlés en Turquie. Il y a plusieurs régions, il y a plusieurs cultures, il y a plusieurs religions. Il y a des Grecs aussi à Istanbul. Mais les déplacements de ces gens-là, tout le monde converge un peu vers Istanbul. Donc, la population d'Istanbul a doublé en 20 ans. Donc, c'est tous des migrants turcs, en fait. Donc, mais il y a du racisme quand même. C'est juste que les personnes qui sont déplacées ne sont pas venues de d'autres pays. Mais je vois que c'est la même problématique, en fait, qu'ici. On sait que l'amitié féminine est une part importante, tient une place importante dans votre récit. Oui, peut-être parce que j'ai pas de frères et sœurs, mais moi, j'ai toujours été très fidèle en amitié. J'ai les mêmes amis depuis toujours. Quand j'ai une amie, c'est vraiment, pour moi, c'est très important. Donc, j'ai recherché la présence des femmes. Dès que je suis arrivée à Istanbul, j'ai tenu à aller à la rencontre des femmes, de femmes plus âgées, de femmes plus jeunes. Juste, c'était qui les femmes? Comment vivaient les femmes à Istanbul? Puis, j'ai eu la chance de rencontrer des femmes de classe sociale différente, de milieux différents, mais j'ai toujours été accueillie de la même manière. J'ai l'hospitalité turque, c'est très important chez les Turcs, l'hospitalité. Et une amitié en particulier très, très précieuse, très profonde aussi. Oui, ma première vraie amie, ma seule vraie amie, si je peux dire, à Istanbul. On est encore en contact aujourd'hui, bien sûr. C'est par Özlem, donc par une femme, par une amie, que j'ai eu une porte d'accès vers une nouvelle communauté puis un milieu de vie, en fait. C'était une communauté, pour moi, ça veut dire un groupe de gens avec qui on passe à travers les étapes de la vie. Donc, j'étais invitée dans les mariages, j'étais invitée dans les fiançailles. Je pense que c'est grâce à Özlem, vraiment, que j'ai senti que j'étais une partie intrinsèque d'Istanbul. Moi aussi, j'étais comme un petit grain de sable
qui appartenait à Istanbul. S'expatrier, c'est aller à la découverte d'un nouveau pays, de nouvelles mœurs, de nouvelles cultures. Est-ce que c'est pas aussi aller à la découverte de soi? Oui, la première année, là, je peux dire que c'était la plus difficile parce que moi, je dis toujours, dans n'importe quel grand changement de vie, c'est toujours la première fois qu'on fait le tour des quatre saisons, la première fois qu'on fait le tour des 12 mois de l'année, c'est comme s'il fallait vivre chaque chose une première fois pour comme repartir à neuf. Puis au bout, je dirais de 9 mois, 1 an, là, j'ai commencé justement à travailler, à me déplacer vraiment toute seule dans la ville, à savoir où j'allais aussi, à avoir des repères, autant au niveau des lieux que aussi des personnes. Puis on ne peut pas parler de ce livre magnifique sans évoquer les superbes illustrations. C'est quoi votre rapport avec l'illustratrice, justement? Quand j'étais à Istanbul, j'écrivais toujours des petites anecdotes sur les réseaux sociaux. Et puis Caroline, elle publiait des petits dessins. Donc, à un moment donné, moi, j'aimais ce qu'elle faisait. Elle aimait ce que je faisais. Puis à un moment donné, je pense que c'est elle qui a dit, hey, « Imagine, je viens à Istanbul, puis on fait un livre. » Puis moi, ça, j'avais contacté plusieurs illustratrices dans le passé pour d'autres projets. Puis là, cette fois-ci, c'est l'inverse. Ça, c'est Caroline qui m'a trouvée. Mais Caroline, c'est quelqu'un qui est très différent de moi. Mais c'est comme si on a compris les deux ce qu'on voulait faire. Tassia Trifiatis-Tesguel, merci infiniment pour cette belle rencontre. Merci à vous. Bonjour, José. Bonjour, David. Alors, comment vas-tu, José? Moi, je vais très bien. Excellent. Oui, ça va bien. Rendons ça convivial. D'ailleurs, dans le livre qui est comme nul autre semblable, parce que, premièrement, les chapitres sont dans un ordre aléatoire. D'ailleurs, au tout début du livre, vous dites que le récit ne doit pas être linéaire. Mm-hmm. Que la ligne droite, c'est une erreur de faire ça. Bien, oui, puis j'ai pas inventé les sauts dans le temps là, ou les rapports. Là, c'est comme une espèce de fausse biographie, oui. Finalement, ce roman-là. Puis on a le journal intime de la poète de qui il est question, donc de sa jeunesse et tout ça. Par contre, moi, où je voulais aller, c'était vraiment créer une forme particulière puis insister sur le fait, justement, qu'on peut déconstruire les histoires pour mieux les comprendre ou les rendre plus intéressantes. Il y avait cette idée de faire confiance au lecteur, d'essayer de le déstabiliser un peu. Je voulais faire quelque chose de complexe, mais pas de compliqué. Donc, on se retrouve, on sait où on va, puis c'est important pour moi que de ne pas perdre le lecteur. Et qui s'explique par cette forme particulière que je voulais proposer, d'être dans un moment charnière de la création d'une biographie, mais qu'on n'est pas encore en train de publier, on n'est pas sûr si on va le publier. D'ailleurs, pour l'anecdote, dans les toutes premières pages, après les citations d'usage, on a cette page-ci, « Document de travail, version 7, corrigé, ne pas publié ». Et il faut savoir que quand Stanké, mon éditeur, a reçu les premières boîtes de livres, il s'appuie un peu sur le succès de la bête, donc ils en ont imprimé, je pense, 18 000 en partant. Là, donc c'est quand même ambitieux. Là. Au Québec, t'es best-seller à 3 000. Fait, quand tu te fies à 18 000, déjà, ça met de la pression sur l'auteur. Et ils ont reçu les premières boîtes, et là, t'as un des cadres, un des dirigeants de groupe Librex qui ouvre la boîte et dit « Wow, un nouveau Goudreau est arrivé, il prend ça, il est beau, il ouvre ça. » Puis il tombe là-dessus, n'a pas imprimé. Il s'en va direct voir le responsable de la production des maquettes, tout ça. Il est en réunion d'équipe, il cogne dans la fenêtre, il fait signe « Sors ». Le gars, il fait « Non, je suis en réunion importante. » Il dit « Sors now ». Puis le gars en question, il sort, puis il lui montre ça. Il dit « Qu'est-ce qui s'est passé avec le livre de David Goudreau? » Puis il dit « T'es le cinquième qui m'en parle aujourd'hui. C'est voulu, c'est correct. » C'est ça qu'il veut, tu sais. Mais il y a des gens avec des tocs que ça a bien, bien travaillé. Ah oui, il y a des gens qui m'ont écrit sur Facebook pour ça dire pas, là. Mais là, est-ce que je devrais recommencer ma lecture dans le bon ordre? Non, vas-y, comme tu le sens, fais-toi confiance. Mais c'est très ludique, en fait, parce qu'il y a beaucoup d'humour, même si vos personnages, c'est des poquets de la vie. Mais l'humour, pour moi, c'est un moyen de faire passer de la littérature, d'arriver avec des sujets super sérieux là-dedans. Dans la trilogie de la bête, en fait, on est dans toutes les problématiques sociales les plus trash du monde, tu sais, qu'on puisse imaginer. Mais l'humour permet de les aborder parfois avec un nouveau regard ou d'une autre façon. Moi, les auteurs qui me font rire, je les recherche, ces auteurs-là. Tu sais. D'ailleurs, juste une petite recommandation de lecture comme ça en passant, quand vous aurez fini de lire mes livres. on note ça. Mais
Moi, deux auteurs que j'aime beaucoup, Michel Folco, entre autres, avec la série « Dieu, nous seuls pouvons »,« Un loup est un loup », tout ça, moi, je trouvais ça génial, cette série-là, puis c'est très drôle par moment. Et au Québec, en ce moment, un de mes auteurs préférés, c'est François Blais. Entre autres, il y a un petit recueil de nouvelles qui s'appelle « Cataonie ». Moi, j'ai ri à voix haute. Ça, pour moi, c'est un signe. D'ailleurs, c'est un des plus beaux compliments qu'on peut me faire. Des gens qui m'écrivent, bien, j'étais gêné dans le métro, j'ai lu telle phrase complètement inacceptable, j'ai éclaté de rire, j'osais pas. Pour moi, quand on arrive à faire rire avec un livre, c'est une victoire. Moi, mon défi d'écriture avec ce livre-là, c'était vraiment de m'asseoir comme romancier, en fait. De dire que la bête, c'était pas... je ne suis pas l'écrivain d'un seul personnage. J'avais besoin d'aller ailleurs, d'écrire autrement. Puis en même temps, je pense qu'on reconnaît quand même mon style, entre autres à travers l'humour. Puis pour moi, c'était ça l'essentiel. L'humour et la poésie, bien sûr, parce qu'il y a des phrases magnifiques. C'est novembre, dedans comme dehors. L'automne étant sa déprime, même les feuilles se jettent en bas des arbres. C'est magnifique. Hemingway qui disait l'important, c'est d'écrire une seule phrase vraie. Parfois, la vérité, c'est dans le style, c'est d'arriver à quelque chose de tellement efficace que ça se suffit. Et on parlait du personnage de Désirée, qui est une professeure qui marque le personnage dans son enfance. Et moi, il y a une de mes phrases préférées du roman. Moi, j'adore ça. Je commence un chapitre par... Désiré fut abandonné à la naissance. Ma journée est faite. Mais tout est dit. Tout est dit de la tragédie d'une existence. Désiré fut abandonné à la naissance. Voilà. T'sais. Même les moments de grâce comme écrivain où on a de bonnes idées, bien, ces idées-là, ça a percolé dans tout ce qu'on a lu avant, dans tout ce qui nous a influencés, dans tout ce qu'on a entendu, qu'on a aimé. Nous sommes, comme créateurs, la somme de tout ce qu'on a aimé, de tout ce qu'on a détesté, de tout ce qui nous a influencés. Le style, c'est comme ça que ça se construit, t'sais. Puis faut pas le renier. Puis moi, j'aime la poésie, j'aime l'humour, puis j'aime les histoires qui rentrent dedans, mais qui ne sont pas une surenchère de détresse. T'sais. Parfois, j'aime la littérature russe, mais à un moment donné, au bout de 800 pages, de maladie, de pauvreté, de guerre, là, t'es quand même, ah, il peut-tu se passer de quoi de drôle, t'sais? Fait que, voilà. OK, alors on a sapin, amour, libellule, couleur, naissance, remorque, oubliette, impasse, librairie et pantoute. Très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Je ne vous ai pas posé un lapin. Pour moi, c'est comme un cadeau en dessous du sapin. Quand je rencontre des amoureux des mots qui sont là, qui déploient leurs ailes telles des libellules pour lire les phylactères, les bulles, tout ce qui est littéraire, ce qui les intéresse, tu comprends que chaque livre a sa propre couleur. Et moi, je surmonte les douleurs de la naissance du poème en le partageant. Quand il y a quelqu'un qui l'aime ou qui s'en choque, qui le provoque, qui dit « moi, je mets pas ça dans ma remorque, mais je me le mets au creux de l'âme pour aller un peu plus loin », ben il se passe quelque chose. C'est comme ça qu'on sort les poètes des oubliettes, en discutant leurs œuvres, qu'on œuvre à trouver la vérité, qu'on sort de l'impasse puis qu'on se passe le recueil, qu'on ne fait pas le deuil de la poésie, qu'on en trouve partout, que ce soit dans la rue, dans la librairie ou sur scène. Tu comprends que moi, le poème, il m'écœure pas pantoute. Je m'installe dedans comme dans une magnifique pantoufle de verre. Merci! Merci beaucoup! Voici qui termine notre première émission. J'espère que vous avez aimé. À bientôt!